Nous sommes aujourd'hui à Calais, plus précisément, nous allons aller rencontrer avec Latifa et l'association IMAD le camp avec des personnes. Avant de parler de migrants et de réfugiés, nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays pour plusieurs conditions. On va parler de la précarité, on va parler de la guerre, de la famine. Et c'est un ensemble d'éléments et de conditions qui font qu'ils essayent de fuir leur pays pour trouver simplement la dignité de pouvoir vivre comme tout le monde. On a tous une vie, on a tous des rêves, on a tous envie de réaliser des choses, de partir en vacances, de travailler, de vivre, d'avoir des enfants. Et ben, ce sont des êtres humains qui nous ressemblent. Alors, on a voulu ensemble, aujourd'hui, avec les chroniques qui réunissent, de recouvrir justement ce reportage afin de découvrir les coulisses d'une initiative qui est humaine mais qui est grande, de l'humain avec un S, avec de l'amour, avec de la tolérance et du respect. Et c'est avec Latifa qui porte justement ces valeurs et l'association Les Chroniques qui réunissent pour l'association IMAD. Nous allons ensemble découvrir ce reportage en allant rencontrer. En continuant cette visite, qui n'est pas comme les autres, une visite où on peut apercevoir qu'on est face à la réalité de personnes qui sont en situation de précarité, mais avant de toujours dire qu'ils sont comment, dans des conditions où effectivement, on peut le voir derrière de grandes souffrances, ils ont quelque chose qui nous donne vraiment un sentiment que tout est possible. Ils ont le sourire, ils ont un cœur, ils ont de l'espoir. Pour avoir échangé, bien évidemment, ils ne parlent pas en français, c'est assez compliqué, mais juste le regard, l'émotion, je pense que c'est la langue universelle qui peut rassembler. Et c'est vraiment l'événement du jour où Latifa, avec toute son association IMAD, a voulu et souhaité mettre en avant. Regardons aussi ce qui se passe autour de nous, en essayant de prendre du recul, de réfléchir autrement et d'être sur le terrain, d'être face à ces hommes et ces femmes. On voit peut-être les choses différemment. Est-ce que je pourrais mettre ça entre guillemets, c'est se prendre une claque en pleine tête, en pleine tronche. Alors, on regarde, vous allez voir tout à fait derrière moi, si vous pouvez tourner directement. Il y a encore toute la surface qui est sur le bord, on peut voir les forces de l'ordre aussi qui sont derrière. C'est là justement la question aussi des passeurs, la difficulté pour ces personnes de pouvoir essayer de franchir l'étape pour aller en Angleterre. Ils le disent souvent qu'ici c'est juste un moment, un temps, mais qui veulent rejoindre l'Angleterre. Je suis avec Sandrine et Vincent. Et ce sont deux bénévoles de l'association IMAD. Je vais leur poser quelques questions et pour commencer, je voudrais avoir votre premier sentiment. Comment vous voyez les choses et le premier mot qui sort? Eh ben, la misère. La misère, un constat évident. Et on reste un peu scotché, je pense. On sait que ça existe, hein, mais le voir en vrai, c'est différent. Moi, je connais Latifa depuis quelques années. Et je l'ai appelée il y a quelques temps en lui disant qu'à Calais, ça serait vraiment bien qu'elle puisse venir. Et elle a de suite, bien sûr, répondu positivement. Et donc voilà, j'ai contacté quelques associations et puis on a décidé de venir à la rencontre de ces gens en difficulté. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, au fond de notre canapé, quand il fait beau, on le sait ce qui se passe, on le voit partout. Mais avec nos petits sacs, comme elle disait ma femme, on se sent tellement faible au final, parce qu'au final... Ce ne sont même pas les tentes qu'ils ont, c'est des bâches. C'est même pas digne. Même on peut être d'accord, on peut être contre, on peut être pour l'immigration, contre l'immigration. Dans tous les cas, dans la façon où ils vivent, ça reste inadmissible en 2022 dans un pays comme la France, où on est capable de débloquer des fonds colossaux pour, et tant mieux, pour envoyer une fusée je ne sais où. Mais par contre, on n'est pas capable d'essayer de trouver des solutions avec l'Angleterre ou avec je ne sais qui d'autre pour essayer de leur apporter
un peu de dignité, un peu de chaleur, un peu de des repas, des choses, un minimum tout simplement. Vous êtes bénévole de l'association IMAD, les valeurs qu'elle porte Latifa à travers notre pays et aussi sur le plan international, elle parle souvent d'amour, de tolérance, de respect, d'écoute. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réponse, entre guillemets, qu'une personne qui porte haut la voix justement de l'engagement par rapport à l'association, est-ce que cela, ça vous donne vraiment une certaine dynamique et ça vous donne de l'espoir de vous dire que peut-être on est peu aujourd'hui, mais... une chaîne humaine est tout à fait possible. Bon, disons, soyons extraordinaires. Soyons extraordinaires, espoir, vous avez raison de le dire, hein, tu as raison de le dire. Gardons espoir, mais l'espoir fait vivre, mais go, quoi, parce que puisque ça merde, ça fait des années qu'on en parle et j'ai l'impression qu'on avance, mais à reculons. Donc, stop, quoi. Il faut vraiment que ça cesse, tout ce genre de situation dans un pays soi-disant développé. Et j'aime la France, mais j'ai mal à ma France quand je vois ce genre de situation. Étudiante en psychologie et je suis bénévole au sein de l'association IMAD et aujourd'hui nous sommes là pour faire un geste vis-à-vis de la population de réfugiés qui est à Calais actuellement, qui sont là pour essayer de trouver des meilleures conditions de vie. Et donc Madame Ibenziaten a été invitée à venir voir le camp, sauf qu'on n'a pas juste voulu venir juste voir, on a voulu aussi donner quelque chose, un petit geste qui n'est pas beaucoup. Donc on leur a fourni des sacs avec un bonnet, des gants et aussi un coupe-vent pour les protéger du froid, au plus qu'on peut. Personnellement, je pense qu'on devrait cesser de dire le terme migrant, parce que pour moi, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés politiques, climatiques, notamment en termes de climat, on va en avoir de plus en plus. Il faut aussi prendre conscience de ça. Donc je pense qu'il faudrait arrêter de les stéréotyper d'une façon négative, mais plutôt de voir fondamentalement que ce sont des gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont décidé d'être là, qui ont traversé des épreuves que même moi, je ne peux pas imaginer. Et donc, il faudrait les accueillir et trouver des solutions, soit pour régler la situation dans leur pays et donc éviter qu'ils aient un choix en fait finalement forcé de devoir se réfugier dans un autre pays, parce que c'est bien des réfugiés, et sinon de pouvoir admettre, vraiment créer des structures d'accueil avec des solutions, avec trouver comment on peut aider ces personnes-là à s'intégrer en France, ou sinon leur donner des perspectives de meilleure vie quelque part d'autre. Mais je pense qu'il faut arrêter déjà de juste parler de migrants et parlons juste de réfugiés. Ce sont des êtres humains, et tant qu'on ne voit pas l'aspect humain, je pense qu'on se trompe de combat. Nous finissons ce reportage avec Latifa Benziatem et l'ensemble de l'association IMAD. Je vais commencer par demander à Latifa ses premiers mots, son impression et son sentiment au moment où je lui parle. C'est dur de voir ces gens dans le froid, dans la souffrance, et ils vous répondent « Je suis en vie, grâce à Dieu ». C'est fort. Comment on peut résister à toute cette souffrance qu'on est en train de vivre là et dire merci Dieu. C'est des mots assez forts, des mots qui sortent du cœur et on ne peut pas laisser les gens comme ça. Je ne vois pas la France comme ça, moi. Je n'ai jamais vu la France comme ça. Je connais la France, c'est une France d'accueil, une France de solidarité, une France de tolérance, d'amour. Je ne peux pas voir mon pays et laisser les gens comme ça dans le froid. Non. Surtout des jeunes de 22 ans, quand encore sans manger, le froid, le corps il ne résiste plus, qu'est-ce qu'il peut devenir ce jeune homme? Il peut devenir dangereux. Il peut devenir agressif. On ne peut pas laisser les gens comme ça. On ferme nos frontières. On fait des contrôles. Mais les gens, ils sont là aujourd'hui. On doit les aider. Là, j'ai gagné un prix Zaïd. C'est un prix qui m'a apporté beaucoup de choses et m'a apporté beaucoup d'aide. Et ben, je vais aider ces gens. Je vais ramener des chaussures, des manteaux. Je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas. Ce que je viens de voir, c'est comme mes enfants. Vous voyez, quand tu as un jeune de 22 ans, de 24 ans, c'est l'âge de mes enfants. On ne peut pas laisser des jeunes comme ça.
ça peut tourner mal, ces jeunes-là. Ça peut donner des risques de santé, des risques de violence, des risques de maladie, de n'importe quel risque, ça peut tourner mal. On ne peut pas. Au moment où vous parlez, Latifa, avec l'ensemble de l'action, ça fait depuis le début d'après-midi que nous sommes ensemble pour accompagner et voir aussi comment rencontrer les associations, les partenaires. On peut s'apercevoir que derrière, il y a une grande chaîne de solidarité parce que ce sont des hommes et des femmes qui militent et qui s'engagent pour accompagner, pour préparer à manger, pour faire des activités, pour essayer de donner quelques moyens, mais qui sont peut-être des grands moyens pour eux. On sent qu'il y a une émotion, on sent qu'il y a aussi une colère à travers tout ça. Et l'actualité du moment, justement, c'est le débat autour justement des flux, autour de la migration. On dit souvent les migrants, mais en reprenant un peu un terme, est-ce qu'on peut inverser les choses et dire que ce sont avant tout des femmes et des hommes et des enfants? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Vous savez, on parle d'immigrants, on parle de... Tous ces migrants, c'est une richesse, c'est des valeurs qu'on apprend. L'histoire de France, c'est toujours, il y a des migrants. Si on cherche la réalité, c'est aller plus loin. Non, je pense qu'il faut, en solidarité. Et tout ce qu'ils font, toute cette association, tous ces chaînements comme ça, toute cette chaîne d'aide, c'est extraordinaire. Il faut qu'on sera nombreux à être solidarité. C'est très important. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes les personnes qui ont des préjugés, qui ont peur et qui peuvent peut-être parfois poser des mots par maladresse ou méconnaissance du sujet? C'est l'ignorance. Je pensais quand on ignore les gens, quand on ne connaît pas, on peut blesser les gens. Mais je pense qu'on doit respecter l'autre, respecter la différence de l'autre et de vivre ensemble, tout simplement. Un monde meilleur, et je pense que un monde meilleur, c'est tout cette mélange, toute cette mixité qui fait la force et que doit ça continuer. Il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, on n'avancera pas. On a peur, on crée la haine sur soi. Et quand on a la haine, ben on peut passer pour l'autre et c'est pas bon. L'humain, il doit pas avoir de la haine. Il doit aimer l'autre, aimer son prochain. Merci en tout cas pour ces propos et ces mots, et un dernier message, peut-être pour comment porter haut et fort comme vous le faites avec votre association, avec tous les membres qui se mobilisent chaque jour, un message d'espoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette jeunesse, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit tout à fait tout à l'heure, qu'il y avait un jeune de 22 ans qui vous a interpellé, qui vous a fortement frappé sur le plan émotionnel, en vous disant ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être l'enfant de tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ça, un message d'espoir? Moi, je dis, mais ça, faut pas perdre l'espoir. Faut toujours garder l'espoir. Quand on a l'espoir, on a des rêves, on avance. Mais il faut jamais baisser les bras. C'est pour ça, chaque personne que je croise, je lui dis, démarre ton moteur. Il faut toujours le démarrer. Quand on démarre son moteur, on réussit dans la vie. Où on se trouve? Avec n'importe quelle personne. Mais il faut démarrer son moteur. C'est pour ça qu'on est là. Notre moteur, il est démarré, on démarre les moteurs des autres. Il ne faut jamais l'arrêter.